wizard. Back then, my friend, you only knew. It is harder when you love beyond belief. But I'm a fool to let you go. So this is for you, my love. We will never have a change of mind. We belong. C'est fin 2009 qu'a débuté la collaboration entre Alteo et Pacific FM, la radio locale tournésienne. L'émission radio animée par Alteo a débuté modestement avec une heure d'émission hebdomadaire pour ensuite s'étendre à une plage de deux heures. Cette émission se veut être un reflet de la philosophie, des missions, mais également des valeurs d'Alteo. Se succèdent sur antenne des interviews de personnes impliquées dans la vie du mouvement, mais aussi de personnalités ou d'associations actives dans le milieu du handicap et ou de la maladie. Après l'intervention de Joseph Thom, qui nous a fait un petit retour sur la campagne 448 de cette année, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir dans le studio un habitué, Guy de Laubert, qui vient quand même souvent nous voir, qui est d'Infor Santé, donc de la mutualité chrétienne, et Barbara Voss de Jeunesse et Santé qui viennent nous parler d'un nouvel outil mis en ligne, donc sur Internet, par la mutualité chrétienne qui s'appelle « Et toi, t'en penses quoi ?». Alors, Guy, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce projet et cet outil ? Donc, c'est un site Internet pédagogique à destination des enseignants, des éducateurs, donc de toutes les personnes en contact avec les adolescents. Nous avons choisi d'avoir un site internet parce que, à la fois, ça permet une mise à jour régulière et également parce que ça permet aux enseignants de choisir dans un panel d'activités les activités qui conviennent le mieux à leur pédagogie, à leur projet et également aux attentes des adolescents. De nombreuses chroniques sont également proposées, telles que la médecine par les plantes, les activités sportives adaptées, des focus sur différentes maladies chroniques, une chronique littéraire adaptée aux personnes mal et non-voyantes. Radio Alteo est également un outil de promotion des activités régionales et nationales. Donc Barbara, c'est vraiment des thèmes qui touchent la jeunesse et sur lesquels il est important justement de se renseigner et de débattre. C'est toujours des thèmes intéressants à travailler, en tout cas à voir avec les étudiants pour qu'ils puissent se rendre compte de l'importance que ça prend au quotidien. Et rien que le fait de travailler la prise de parole, l'estime de soi, rien que le fait de travailler ces deux choses-là, ça, c'est toujours un avantage et bénéfique pour eux et ça les aide à prendre la parole alors que peut-être ils n'osent pas, ils sont trop timides, etc. Ça va ? On présente le site après ? Oui, ça c'est pas mal. C'est également un outil de recrutement aussi bien pour le mouvement que pour les services apparentés, comme le transport des malades, les séjours. Les objectifs sont entre autres l'intégration des personnes handicapées dans un projet radiophonique souvent réservé aux personnes valides. C'est de développer également, par le biais de cette technologie, l'échange et la communication entre personnes valides et moins valides. C'est également faire connaître notre mouvement, ses valeurs, ses actions, ses revendications. C'est promotionner les activités, les projets d'Alteo, afin de sensibiliser le grand public et surtout les jeunes. D'ailleurs, en parlant de la Lions Club, on peut peut-être parler du Salon 420 qui se déroulera, si je ne m'abuse. C'est début décembre, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est le premier week-end de décembre. Ça se fait à Moucron Expo, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je vous conseille d'y aller parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis les amis Moucronois nous ressortent toujours avec une sympathie et une énergie assez formidable. C'est une très très belle initiative. Le contenu des émissions se décide tous les mois en comité. Choix des invités, infos à faire passer, etc. Le tout dans un esprit démocratique de coopération.
Retrouvez-nous donc en direct tous les vendredis de 10h à midi sur le 95.1 pour la région tournaisienne ou sur le site internet www.pacificfm.be pour le monde entier. Une web radio propre à l'émission est également en cours de création. Bonne écoute!